Marvin, ça va mon chéri? Ouais, j'ai trop hâte de rencontrer ta famille. Je crois que ça va pas le faire, c'est que... Ils sont vraiment... Oh. Salut toi. Wow. Ah. Ah. Enchantée. Mesdemoiselles, Sarah m'a tellement parlé de vous, j'ai déjà l'impression de vous connaître. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Depuis tant, on commençait à croire que Sarah avait honte de nous. Oh non, non, non. Poupette, c'est quelque chose qui va pas te plaire. C'est ce que ta mère porte aujourd'hui. En même temps, maman, elle a rien porté de décent depuis l'école primaire, alors bon. Oh, je suis sûre que ta maman est aussi élégante que toi, Poupette. C'est vrai qu'elle est élégante. Une vraie dame, contrairement à sa cousine. Toujours le nez dans leur internet et leur Facebook. On n'est pas fichu de faire quoi que ce soit séparément. Ridicule. Désolée Tantine, mais il y a mamie qui nous attend. Oh, mais vous allez être en retard. Allez hop, allez hop. Tu as vu comment il est? Oui. C'est quelque chose. C'était quoi dans la salle de bain? Ah ouais, c'est mes cousines. Attends, t'as eu peur? Ouais. T'as encore rien vu, hein? Marvin, je présume. Oh non. Je te présente mon parrain. Monsieur. Oui, oui, oui. Alors, on a tenté les études de droit. Mais... échec. Et finalement, petit instituteur. Navrant. Il a choisi de devenir prof. C'est sûr, torcher des gamins, c'est plus facile que d'emprisonner des criminels. Lui réponds pas. Ah, vous êtes ensemble depuis... 5 ans. 5 ans. Vous ne comptez pas avoir d'enfants, hein? Si, 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 si. Ah, vous voulez des enfants. Entre les couches à changer, les copies à corriger. Mais vous allez saturer, mon pauvre ami. Non. Comment ça, non? Vous allez abandonner votre travail pour vivre au crochet de la filière? Attends, t'es sérieux? Tu donnes des leçons alors que tu vis au crochet de maman depuis 30 ans? Mais pas du tout! Je suis son impresario, c'est moi qui gère ses contrats, ses costumes. Ah, ben c'est pour ça le... Donc, vous les essayez avant? Oh, il a du répondant, jeune homme. J'apprécie. Je t'avais prévenu. Ma mère. Ta mère. On me prend plus souvent pour ta sœur. Voici donc mon genre. Grand, musclé, des mains puissantes. Oh. J'espère qu'il va pas partir en courant, celui-là. Déjà qu'elle a réussi à faire fuir son père, Marvin? Oh. Marvin? Salut mon kiki! Moi, j'arrive à peine à les supporter, et toi? Bon, ok, c'est des barjots. Mais c'est des barjots qui t'aiment. Sauf ma mère. Sauf ta mère. Mais... Elle est folle de moi. Allez, tout le monde! En place pour la photo! Mais ah, laisse-moi une place, maman. Arrête avec tes mamans, maman. Ça me rend vieille. Va falloir t'habituer. Dans 6 mois, tu seras mamie. Bon, ça va au final. Ils sont pas si terribles. Oui, c'est vrai, là, ils étaient sages aujourd'hui. Et toi, alors? Bah, quoi, moi? Bah, rien. J'ai juste hâte de rencontrer ta famille. Non, je crois que ça va pas le faire. C'est que... ils sont vraiment...